si on a une question qui demande une réponse avec plus d'espace, il faut utiliser l'option paragraphe. Alors, en utilisant l'option paragraphe, l'élève a beaucoup plus de place pour écrire sa réponse. On va aller voir ça. Donc, j'ai changé tout simplement ici l'option pour paragraphe. J'ai écrit ma question et l'élève peut venir écrire sa réponse avec plein de place. Alors, l'élève peut écrire comme ça, cliquer sur Enter, faire des paragraphes, écrire ses choses, tout ça, il n'y a pas de problème. Au fond, ce qu'il faut retenir, c'est que si on fait, par exemple, une dictée de mots sur formulaire et que c'est seulement des mots dont il faut répondre, on peut prendre réponse courte. Mais si on demande un texte à l'élève, une réponse élaborée, une question ouverte, on lui offre l'option paragraphe. Alors, dans paragraphe, l'élève va avoir beaucoup de place pour écrire sa réponse sans problème.